Yo les sportifs, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Brandon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau entraînement cuisse à faire avec un petit élastique, voilà, un élastique de résistance qui va vraiment bien nous servir pour cet entraînement et vous allez voir que ça va bien piquer. On va faire 3 exercices cuisses qui vont vraiment arracher les cuisses, qui vont vraiment nous péter les fibres musculaires et c'est ce que j'aime et c'est ce que vous aimez aussi, les entraînements intenses. Mais avant de commencer cet entraînement les sportifs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube qui est Brandon Torres Entraînement, bah abonnez-vous, mettez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo, je vous fais confiance, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Faites-le aussi, parce qu'un vrai abonné n'oublie jamais d'activer la cloche et allez me prendre en ami sur Facebook. C'est là que je réponds à vos questions, que je vous donne des conseils, que je vous fais évoluer et que je réponds à vos questions tout simplement et que je vous dis les entraînements que vous pouvez faire. Voilà. Alors, et aussi une autre chose avant de commencer l'entraînement, c'est que je fais cet entraînement-là, pourquoi? Pour que déjà, vous puissiez aussi le refaire chez vous ou en salle de musculation. Où vous voulez, voilà, vous avez envie de le faire en vacances, à votre école, dans votre jardin, vous le refaites partout. Et de deux, je fais ces entraînements-là aussi pour montrer à tous ceux que, voilà, qui critiquent les élastiques que c'est pas parce qu'on s'entraîne aux élastiques qu'on ne peut pas avoir une bonne congestion, qu'on ne peut pas avoir un corps super boum musclé avec des élastiques. Parce que c'est pas vrai, on peut avoir un super physique en s'entraînant aux élastiques. C'est la vérité, on peut vraiment avoir un bon physique, je vous le promets. Testez. Et si vous aimez pas, vous me le dites dans les commentaires. Si vous aimez, bah dites-moi dans les commentaires aussi si vous aimez bien les élastiques. Le premier exercice qu'on va faire, c'est du squat. On va faire 4 séries de 15 répétitions et non, pas de temps de récupération. On va enchaîner tous les exercices. Alors les 3 exercices, ça va être squat, fente et squat sumo. En gros, squat normal, c'est les pieds, largeur épaule, les joues vers l'extérieur. Et squat sumo, c'est un peu plus large que les épaules et toujours les pieds vers l'extérieur. Voilà. Alors là, vous allez mettre la bande et là, élastique ici, alors voilà la bande là, elle est juste ici là, regardez, elle est ici. Alors là on va faire 4 séries de 15 répétitions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, souffle bien, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ce qui est bien de s'entraîner avec une bande élastique, c'est que ça rajoute une tension en plus. Et que ce qui est bien aussi, et le deuxième avantage qui est bien aussi, c'est que vous ne risquez pas de vous blesser parce que la tension quand vous entraînez avec des élastiques, elle est toujours là, contrairement aux haltères. Voilà. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez bien les sportifs. 7, 8, ne lâchez pas. 9, 10, 11. 12, 13, 14, les pecs sortis, 15, ça brûle, c'est normal, c'est ce qu'on aime. Troisième et avant-dernière série, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descendez bien, 9, 10, le dos bien droit, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà les sportifs. Et pourquoi je vous dis le dos bien droit? Parce que si vous, là, vous faites du squat avec le dos comme ça, vous allez vous niquer les lombaires, le muscle qui est juste ici, là, un peu au-dessus du bassin. Et vous allez vous faire, et vous allez vous blesser. Et c'est pas ce que je veux pour vous. Quatrième série, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça congestionne, c'est normal. Deuxième exercice qu'on va faire, c'est des fentes. Fentes avec. Fente, on fait une fente d'une jambe, on fait une fente de l'autre. Après, on va faire 3 séries de 10 répétitions. 1, 2, dos bien droit, 3, 4, 5, 6, soufflez bien, 7, 8, 9, 10, avec ça les sportifs, vous travaillez les ischios jambiers, parce que c'est bien beau de travailler les quadriceps, mais c'est aussi bien de travailler les ischios pour que vous avez des cuisses aussi massives. Hop, deuxième série, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ça pique, c'est normal. 7. Souffle bien. 8. 9. 10. Et comme je vous ai dit, toujours le dos bien droit, ça évite que vous vous blessez au niveau de vos lombaires. Troisième série. Et troisième et dernière série. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Soufflez bien. 7. Allez, lâchez pas les sportifs, vous êtes les meilleurs. 8. 9. 10. Troisième et dernier exercice squat sumo. Pour le squat normal, on est venu ici. Maintenant, on vient ici. Et là, on va faire deux séries de 15 répétitions. Pourquoi deux séries? Parce que c'est le dernier exercice. 1, 2, 3, 4. Les pecs toujours vers le haut pour que vous montrez que vous êtes fier de faire des squats. 5, 6, 7, 8. Soufflez bien. 9, lâchez pas. 10, vous êtes les meilleurs. 11, 12. 13, 14, 15. Et vous dites-moi dans les commentaires les sportifs si cet entraînement a piqué et s'il est très efficace. Et s'il est efficace et qu'il a piqué, abonnez-vous, mettez un maximum de pouces bleus et activez la cloche. Deuxième et dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, voilà, je regardais, ça filme encore, voilà, 10, l'entraînement, les sportifs est terminé, je suis congestionné à mort au niveau de mes cuisses, attendez, je vais essayer de vous montrer que je suis congestionné à mort, regardez, la congestion, elle est présente, là, j'ai vraiment plus de cuisses, je suis en train de transpirer comme un malade, regardez, voyez, ce matin, je me suis coiffé, j'ai mis du gel, mon gel est en train de couler, et si cet entraînement vous a plu, bah faites-le moi savoir dans les commentaires, mettez un maximum de pouces bleus, dites-moi vous êtes quoi, vous team élastique, team halter, team machine, ou si vous aimez bien vous entraîner avec tout, dites-moi c'est quoi le sport que vous pratiquez, vous êtes les meilleurs, lâchez rien, force à vous, et force à moi, boum.